Ah bah je joue Roy, excellent. En fait, j'adore. Azé, son grand désespoir, c'est que il dit que ce perso pue la merde. Mais pourquoi je joue pas l'autre Roy, le mieux là? Mais en fait, c'est Azé, il finit toujours par revenir à Bowser Jr. C'est une malédiction. Il est incapable de. Mais gros, c'est incroyable, il joue Roy, genre trop bien. Et par contre, ouais, je suis comme toi, Nixie. Non, mais Nixie, les combos à base de ladder, n'importe quoi, trou combo, upper. Il gère beaucoup mieux. Ah, j'aime bien, franchement là j'aime bien. Tu vois, ça c'est du gameplay agressif, ça se tape dessus. Ouais, mais il gère beaucoup mieux son. Avant, il optimisait pas le stun, ça, il spammait le upper aussitôt que possible. Ouais, là, non. Il optimise beaucoup mieux le stun. Ouais, parce que. Ouais, voilà. Là, faut que ça soit trop en fait, sinon ça a rien. C'est clair. Ouais, le B, bon, évidemment, ça va pas tuer quand même. Ça tue pas, il est un peu trop. Pas encore à 7%. Après, sur ce stage, franchement, il y a vraiment moyen de l'adder, mais toute ta vie, genre. C'est un des meilleurs stages de Mario, celui-ci. Ouais, facile. Il aime beaucoup jouer là-dessus. Plus que sur Battlefield même. Là, je pense que là ça va continuer à jugger un peu. Ça va tuer soit à la cape, soit à Up Smash. Voilà, et là il a tenté de le baiser Obby, Azé, c'était bien tenté, mais son gros problème Azé c'est qu'il sait pas jouer Campy. Et du coup il spam le side B comme le pire des sacs, et attention ça. Ouais voilà, Fort Smash, boum dans la tête, Roy qui perd une stock. Attention c'est problématique là du coup. Ah bah là il s'est fait. Il faut pas qu'il se laisse gratter. Parce que un combo de Mario ça peut monter à 60 très vite. Même dans le jeu, hein, il a toujours un combo game absolument incroyable. Si tu fais c'est Usro to Downer, ça combo bien. Parce que le Downer il est absolument stupide. Short top. Voilà, et en fait ça combo, ça extend. Wouh! Petit fer dans la tête. Il attend, le Mixi il est patient. Ah ouais, il est bizarre ce Mario, j'aime beaucoup. Ah oui, Mixi c'est 100% de douille, 100% de spectacle. C'est lui qui m'a déposé en boxe. Oh! Le upper, tout faire encore une fois, le deuxième qui passe. Et ben voilà, là on s'amuse. Là ça réveille. Là je suis réveillé là. Là je suis réveillé, Mixi, je te montre un petit gameplay aux petits oignons mec. Ah mais le Mario de Mixi, je pense, il est incroyable. J'aime beaucoup. De toute façon, il est avec son caleçon propre, il a changé de gameplay, il optimise le stun, il casse des douilles. Il a dit. En optimisant bien les stuns du landing. C'est pas des douilles à ce point là, c'est juste des outplays, hein. Moi j'ai pas vu de douille gros. Moi j'ai juste vu, il arrive quelque chose, déjà il a fait upper to upper entre combo parce qu'il arrive de la GI. Ensuite il a fait upper fair, mix up, c'est passé. J'avais gros c'est du pif, que si ça passe pas. C'est vrai. Ça passe, c'est pas du pif, c'était prévu. Tout est calculé, je pense que Azé il aurait pu redodge le deuxième, je pense. Le premier je pense qu'il était trop, mais... Prends le vrai Roy. Prends pas. Roy Koopa il est fatigué. Prépare-toi à changer de Roy. Non là, ce cher Azé quand même se fait mettre en difficulté par Bixi. Et il prend son Mario, hein, c'est aucun problème. Et là Azé il se dit, ouais Bowser Jr. ça pue un peu la mort quand même. Non ça pue pas la mort, mais je pense que, vas-y, ce match-up flemme, et sur ce terrain flemme, oh là là. Oh là, il a un rond doudou. Moi je suis sûr qu'il peut prendre la game avec un doudou. Tu vois c'est le genre de perso, t'es jamais préparé à l'affronter, j'ai entendu un oh non, venant de la part de Mixi. Attention, du coup, game 2. Ça veut tout dire, ça, mais en plus c'est le side B de Rondoudou qui le perturbe parce que la Lightbox ça dure 3000 ans. Lightbox dure 3000 ans et c'est super dangereux dans le shield. Ouais, tu t'en prends deux, shield break, bonne journée. Même pas, tu prends juste un fer et un side B, tu meurs. Voilà, mais là déjà on sent que c'est pas le même momentum. Et si tu mets la late hitbox, t'as un combo après. Mais après ce qu'il faut, et aussi la grosse différence c'est que comme Rondoudou est assez flotty, bah Mixi va avoir beaucoup plus de mal à caser ses upper, tout upper, etc. Bah oui justement, c'est pour ça en fait que là, Mario dans ce matchup en vrai niveau neutral c'est pas simple, et surtout que niveau combo game ça a pas l'air simple aussi. Et surtout qu'il a pas forcément la Moi perso ce que je ferais, wow, calme toi. Faut faire attention, les upbeat dans le neutral s'il vous plaît monsieur. Wow la rigole, mais dans la tête. Dans la tête, ce fort smash, boule de feu, ça déconne pas. Cette stock a été validée de la part de Mixi. Certifié, validé, à smash dans le crâne. Ah ouais, gros. Je crois qu'il n'y a pas plus validé que ça, genre. Vraiment, c'est carré, la stock elle est. Petite rip de roll, c'est un peu. Ah, dommage. Je pense qu'il voulait attack cancel back air. C'était le seul follow-up qu'il pouvait avoir. Je sais que Mixi. Enfin, Azé, des fois. Je l'ai déjà douillé plusieurs fois sur des rolls au ledge. Il a tendance à trop spammer cette option au ledge. Ouais, voilà. Mais après, tu vois, ça, c'est le genre de truc. C'est les joueurs qui jouent souvent ensemble, qui se connaissent dans cette région. Et qui. Azé et Mixi, ils jouent pas trop ensemble. Ils se connaissent pas trop. Wouh! Enfin, ouais, ils jouent. L'air de. Trop forward. Et s'en bat vraiment les pieds. Hein. Ah non, mais c'est. Les douilles à la Smash 4, tu sais. Le down throw forwarder sur Smash 4, c'était quand même vachement qualitatif. Il y a encore des petits réflexes qui restent.
Mais Azé, Azé et Nixie ils se connaissent pas parce qu'il descend pas tant que ça. Oh là là, mais le force smash, il était. La hitbox est tellement plus grande, le sweet spot est tellement plus grand maintenant, et ça fait mal. Une stock d'avance côté Nixie, on se sent plutôt serein. Ouais, ça va, tranquille. En plus, un truc que je vois pas Nixie faire, mais que s'ils voulaient vraiment gagner leur effet, ça serait de spammer le Beba en neutral. C'est genre, tu spammes littéralement ça, et j'ai Glipuff, il a plus de terrain, il peut plus jouer au jeu. Ah mais c'est pas, je pense pas qu'il le sache ce match-up, tu vois. Mmh. Bah attention, tu vois les petits combos ladder. Et ça tue. Ça tue. Non. Ça tue pas. Ça tue pas bien DI côté AZ, mais moi j'ai. Ah il est parti le chercher avec ce forward. Attention, commence à avoir la dalle un peu, c'est bizarre. C'est là il a faim là. Là il a faim. Là il a faim. Il a faim, mais bon le Mixi, il a faim de victoire aussi. Hein. On voit bien le petit fer. Ouh quoi. C'était. Est-ce que c'est un décès? Mais c'est nul, arrête de décès. Le repos beaucoup trop tôt, Azé, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est dit, j'ai un repos, je veux partir comme un prince. Comme un prince.